Donc petit mois financier, mais mois sympathique quand même. On a eu un gros... Après, on a fait le pois chiclash et tout, qui n'étaient pas les jeux les plus hypés. Même si vous avez globalement été vachement présent. Hein. Ce qui a fait plaisir pendant le train du pois chiclash. Alors, attends. Tac, tac, tac. On va... Ok. C'est quoi le mieux? D'accord, attention, on va voir surtout ce qui rapporte le plus. Les subs. C'est vraiment, c'est pas compliqué, Mathieu. Hein. C'est les subs et notamment les T3. Voilà. Enfin, moi, mais je rapporte, enfin, je gagne le même pourcentage sur un T1, T2 ou T3. Sans, je suis en 70-30. Mais ce qui rapporte le plus, c'est les subs. Y a, de toute façon, j'ai que ça chez moi. Et ça me va très bien, attention. Hein, mais c'est, il n'y a pas de bits, il n'y a pas de dons, il n'y a pas de pub. C'est les subs, Prime y compris, hein, qui sont le cœur de mes revenus. Les subs, encore les subs. Je réfléchis. L'âme des pirates, c'est quoi cette quête? Tu te l'as laissé? L'âme des pirates, elle où cette quête? Pas du tout, c'est là, ok. Il n'y a que les subs chez moi, Mathieu. Alors, attends, on va les valider. Ah oui, c'est vrai que j'ai les quêtes ici qui sont plus haut niveau déjà. Bien sûr, Vache à Tempête, bien sûr. Fort heureusement, j'ai un contrat amélioré avec Twitch. Les streamers de base sont en 55 ans, je suis en 70-30, comme tu peux le voir. Ici, répartition des revenus, voilà, 70% pour moi, 30% pour Twitch. Et voilà. En gros, actuellement, pour vous donner un peu une idée, donc la chaîne, moi, me coûte 2 330 € par mois. Vous avez de façon... il est où le doc secure? Vous avez le doc complet ici à chaque fois. Voilà, pour l'instant, on a payé... Enfin, j'ai lâché sur la chaîne, donc 3 723 € depuis donc septembre. Voilà, là, vous avez secure, de toute façon, qui prend tout, les clés, d'où elles viennent, etc. Il y a vraiment la totale. Le doc est ultra complet, le nombre de subs offerts, etc. Et voilà. Voilà. Et donc ça, plus le fait que Soccer soit à plein temps, ce qui lui permet donc de s'occuper de ça. Alors vous pourriez me dire, effectivement, hein, je pourrais économiser des frais en enlevant donc la boutique, par exemple, et en enlevant, par exemple, Soccer, en termes d'employé à plein temps. Effectivement, bah, j'économiserais 2 330 € par mois. Donc, mais sauf que je reviendrai en fait à ce que je faisais avant. Ça, je gagnais la même somme, un peu plus pour le coup avant. Et parce qu'en 2021, j'ai fait 1 600 € net par mois de moyenne. Je gagnerais plus. Enfin, je toucherais que ça pour moi. Mais le truc, c'est que la chaîne stagnerait. J'ai pas envie. Là, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de plus, quoi. Donc, c'est pour ça, on verra bien. Je vous dis, on fera le point donc en décembre 2023. Voilà, voilà. Hop là. Alors, il me faut les quêtes. 47, c'est impeccable ça. Yes, on va buter du kobold. Je suis totalement transparent, Vache à Tempête, sur Twitch. Et depuis 6 ans, ça fait 6 ans que je stream, ça fait 6 ans que je prends ton transparence, parce que je crois du principe que c'est à travers la transparence que la compréhension vient et que vous comprenez en fait bah, comment ça marche sur Twitch. À tous les niveaux, la transparence généralement est bénéfique. Oui, ça sera sur PC. Allez, tout à fait. C'est pas faux, vache. Bah voilà. Ouais, ça a toujours été un truc, en fait. En gros, essayer d'apporter un peu d'éthique et d'intégrité dans ce milieu de merde. Et montrer un peu... En gros, expliquer un petit peu comment se déroule la vie d'un streamer à plein temps. Ça fait 6 ans que je stream. Ça fera 6 ans, très précisément, le 3 mars 2023. J'ai commencé le 3 mars 2017. J'ai toujours partagé ça avec les gens. Puis on est content bien quand même mal. Hein. Quand je gagnais beaucoup d'argent, quand j'étais sur WoW, et je gagnais 2 500 à 3 000 € net par mois, je le montrais. Quand je gagne beaucoup moins, je le montre aussi. Enfin, c'est pas une question de somme, c'est juste une question de... Ça permet un peu aux gens de réaliser en fait ce qu'il en a. Bien quand même. Quand je gagne beaucoup, c'est grâce à vous, donc il n'y a pas de raison que vous ne sachiez pas non plus. Tu vois.
Je suis à plein temps, bah de toute façon, c'est les maths simples, hein, vache à tempête. Je stream 150 à 200 heures par mois. Tu fais un calcul rapide, tu vas voir que c'est forcément à plein temps. Et puis 6 ans. c'est les petits mois et 200 heures, c'est les gros mois. Ouais, on va être genre à 175 heures. Puis j'ai la chance que ça marche depuis 6 ans. Globalement bien, donc. Oui, mais alors les gros streamers, pour le coup, parce que des streamers généralement qui ont une centaine de viewers de moyenne comme moi, les Renew gagnent moins. Donc, beaucoup moins un tiers de ce que je gagne. Et encore moins. Généralement, ils vont être à, peut-être à 300, à 500 balles à tout péter. Hein. À tout péter. Hein. Donc, c'est aussi pas forcément. Bonjour. Oui, mais voilà, ça c'est. Moi j'en ai 25 000 followers, pas mieux qu'un. Mais non, mais il bug complètement. Merci à Poutéken pour le 23e mois d'abonnement. Consécutif en niveau 1. Ils bug en fait complètement leur truc, Mathieu Spi. Parce que la dernière offre que j'avais eue qui était cohérente, c'était en octobre, où là c'était 500 balles par mois. Mais c'était quand même pas assez parce que c'était 80 000 de plus. En fait, leur upgrade, le bug complet quoi. L'investissement de la commu, c'est ça qui fait la différence à lui. Ouais. J'ai connu, quand je streamais du WoW, ok, que je gagnais vraiment bien ma vie, j'ai connu des streamers qui avaient entre 800 et 1200 viewers qui gagnaient moins bien leur vie que moi, pour donner un peu une idée. Et alors que moi j'en avais 150 à 200 millions. Donc c'est vraiment une question de type de communauté quoi, ni plus ni moins. Le jeu que tu vas streamer, ce que tu vas amener en fait sur le jeu, à quel point tu vas pouvoir en fait être pertinent sur ton truc. C'est-à-dire que si moi je stream du League of Legends, je suis pas très pertinent, tu vois, par exemple. Dans le sens où j'ai pas grand-chose à amener. Sur WoW, j'avais beaucoup de choses à amener parce que j'étais un bon joueur, j'étais toujours un joueur extrêmement expérimenté qui aimait bien partager. Sur League of Legends, je suis un noob, donc là j'ai rien à amener, hein. Il y a même des études, mais c'est tout, quoi. C'est pour ça que généralement, j'aime bien, ça marche bien pour moi sur la MMORPG parce que c'est les jeux qui gagnent mieux. De toute façon, faut pas compter sur Twitch en fait. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que le métier de streamer est particulier parce que c'est une situation de précarité volontaire. Tout le monde connaît le principe de précarité, c'est être dans la merde globalement, financièrement. Et en fait, quand t'es streamer, moi je suis pas là, je suis pas du tout dans une situation de précarité, je précise. Mais quand t'es streamer, en fait, tu as que volontairement, tu sais que tu vas renoncer à tes revenus. Pour 99,9% des streamers. Littéralement, hein. Imaginez que je suis 700ème streamer FR et je suis dans le top 0,99. Enfin, en gros, en étant personne, je suis plus gros que 99. Tracker. Iske, tac. Dire ça. Le factuel toujours. Et je suis son père, hein, complet. Hein. C'est où la dernière provision? Ah, c'est plus haut, merde. Allez, charge le site. Hier, toujours ce site à charger. Oh, une aléa. Non, pourquoi pas. En vrai, pourquoi pas, une petite aléa. J'en ai besoin en plus. Donc... En vrai, why not. La fraction du PEX en plus, donc bon. Fier Cobalt en plus, ça a d'une saloperie de healer, donc bon. Ce connard.
Ouais, c'est normal, ça. Ok, c'est bon. Yes. Et là, il dort. Ah ouais, 11 000 XP, les aliens. Faut que je m'intéresse un peu plus, en vrai. C'est la petite patte FF, ça. Donc ouais, pour vous donner une idée, hein, sur le factuel, comme toujours, je suis 700ème FR, et donc plus gros que 99,83% des streamers sur Twitch. Comme vous pouvez voir ici, factuel. Tout ça pour dire que... je sais plus ce que je racontais. Oui, imaginez effectivement donc à quel point c'est compliqué d'en vivre. Mais en gros, un mec qui vous dit qu'il galère sur Twitch... financièrement, hein. La seule chose que vous devez lui répondre, c'est bah va travailler, ça marche pas. En fait. Moi, par exemple, je stream par épanouissement personnel. Je ne dépends pas de mes revenus Twitch. C'est-à-dire que ma boîte Twitch, je le vois comme. Alors, je le fais par passion, mais je le vois comme. Comme une start-up en fait. C'est-à-dire qu'en gros, j'investis du fric que je perds, mais qui en contrepartie me donne du plaisir. En sens, ça me fait plaisir d'avoir un employé comme Socure donc pour créer Ice Replay. Ça me fait plaisir d'essayer de créer un modèle d'intégrité et d'éthique autour des jeux vidéo. Je le fais par plaisir, vraiment. Pur et dur. C'est pour ça que j'accepte en fait cette perte d'argent. Mais, voilà, c'est important, c'est avec les mecs qui vous vendent du Red Shadow Legends et tout, c'est les puniférés, qui vous disent, ouais, j'en ai besoin pour payer mon loyer et tout, vous pouvez leur dire, non, non, si tu veux de l'argent pour payer ton loyer, il y a un truc qui s'appelle aller travailler. Ça marche très bien. Ça marche très très bien. C'est beaucoup plus stable et beaucoup plus pérenne que Twitch. Le site en partie, c'est pas lui qui l'a développé, mais qui est lui qui le gère aujourd'hui. Salut les nobbies, salut Puni. Et il s'occupe plutôt des Skyplay et donc de faire tous les temps forts, les clips, pas les clips au printemps, et tous les temps forts et autres. Tout à fait. C'est un boulot à plein temps qu'il a. Depuis, je l'ai embauché donc le en septembre 2022. Alors, ouais, yes. C'est de la merde, excellent. Ah, suite de quête, tiens. Récompense, récompense, on aime les récompenses. On aligne ça, aligne ça. Je pense pas que je réussisse à passer niveau 50. Avec des fucking 4 secondaires. En vrai, faut que je fasse un donjon, mais alors. L'idée de me retaper le Val de Room me donne des. Me donne la nausée. Hein. Faut que j'aille un guide des aventuriers. Ok. Oui. Il est très bien ce donjon au secours. Ah, il s'est très bien passé, j'ai vu ce qu'il est chiant à faire, quoi, c'est tout. Alors, on va évaluer la quête. Ah, c'est une quête qu'il me fallait pour... ah non, attendez. Je sais même pas ce qu'il me faut d'ailleurs pour le level up de rang. Merde. Ouais, je viens de là, j'ai fait les quêtes. Ok. 1000 guilds, oh. Alors, attends, on va aller parler aussi ici. Voilà. Alors, pour le moment, ce donjon, le souvenir. Ah, je vais vous expliquer. Ok, oui. Chef des squads de grande compagnie. Je suis vol, ouais. Bah oui, mais après, une fois que je serai 50, en fait, j'aurai plus besoin de ça, Lou. Étant donné que je pourrais juste faire la quête principale. Là, je veux juste rattraper le niveau 50, mais après, je peux extraire naturellement. Avec, justement, bah, la quête principale, quoi. Oh, c'est beau. Je suis piqué encore. Hein. Je suis chef d'escouade, maintenant, au sein de la... compagnie Linsa Luinsa. N'oublie pas, Lou, hein, j'ai pas de level à rattraper à part le niveau 50.
c'est important. Escouade de grandes compagnies disponibles. Je sais même pas ce que ça veut dire. Atteindre l'escouade pour envoyer les hommes, les entraîner, ok. Ok, ok. Attendez. Ah, c'est officier du personnel pour level up. Promotion en grade. Ok. Elle m'a globalement dit va chier. Hein. Très bien. Très bien, très bien, très bien, madame. C'est noté. Je vais me faire mettre cordialement dans la joie et la bonne humeur. Oui, mais encore une fois, faut-il avoir un truc Apex, les Renews. Et là, pour le coup, mes rerolls, bah, c'est mon, enfin, c'est mon reroll qui va devenir mon main. Le but, hein, c'était chiant d'avoir un... Ça marche, Buckcraft, ok. Coucou à toi. Pas de promotion. Ah, elle m'a clairement dit, t'es bien où t'es, reste tranquille. Globalement. Putain, c'est tellement bien qu'on puisse voler dans les premières régions. Ça change la vie, ça. Ouais, donc demain, putain, je vais avoir fini le final Diablo 1. Je suis vraiment content de pouvoir le finir. Parce que je pense pas qu'il me reste très longtemps de jeu. Parce que là, je suis encore tranquille en termes de dégâts. Donc, c'est que je dois pouvoir au moins passer niveau 11 sans trop de problèmes. Ça, c'est plutôt chouette. Attendez. Ah oui, non, il est pas là du tout. Ok, il doit être à l'intérieur du bâtiment. Quel plaisir ça a été, hein. Aller à l'intérieur du refuge, pas de problème. Alors. Yes. Merci. Avec plaisir. Ouais, pas beaucoup d'XP. Hein. On va pas aller loin avec ça. Attendez, j'avais vu, c'est à Ishgard, je crois. Il me semble qu'à Ishgard, j'ai des quêtes 50. On pourrait directement aller faire ça en soi. Et je crois que tu peux les prendre, les quêtes secondaires, même si elles sont plus au niveau que toi, contrairement à la quête principale. Il me semble. Il me semble, il me semble. Alors. Par exemple, lui là. On va voir. Vieillard très croyant. Il est au 50. C'est historique. Peut-être les prendre, je suis pas sûr que tu puisses les rendre. Ah, même les secondaires. Quel enfer. 50 le côté obscur, 56. Écoute, on va aller voir. On va aller voir. Il n'y a qu'une seule manière de le savoir, c'est de la faire. Ah merde, ça c'est chasse dans la glace. Non, ça je pourrais rien faire, ça c'est sûr. 56, ça c'est sûr que je pourrais pas. Prenez pas la guide des machinistes. Je passe. Que sinon, attends, avant Ishgard, c'est quoi la zone, une bonne zone 50 avant Ishgard? Parce que là, j'ai rien du tout, on est d'accord en termes de donjon. Ouais, non, ok. Valdorum, c'est le dernier. Yorloï, ça rapportera pas grand chose. Chanter Saint-Trenet. L'arche, les humbles. J'aime pas l'humilité. M'a toujours emmerdé l'humilité. C'est vraiment un truc qui m'a toujours emmerdé. À cause de mon daron, ça. Faut que je me TP au chevalier oublié. Hop là. Dragon céleste qui a obsédé Nidog. PVP, ça fait pas mal de pecs rapidement. Ah ouais, mais de PVP, attends. Attends, fais voir l'histoire de PVP. Ah, le front, là, c'est ça? Ouais. Ouais, tu sais quoi, vas-y.
Vas-y, pour la science. Pour la blague. Pour la blague. Je crois que je n'ai littéralement jamais fait de PVP dans le jeu. Il y a plein de quêtes ici à faire, bordel. Il y a son ancien. Dessin incroyable. Ouais, effectivement, je peux pas la valider. Je ne peux point la valider. Qu'est-ce qu'il y a comme zone 50, les gars? Ou les madames? Quelqu'un saurait me dire? Parce qu'il y a effectivement les hauteurs du Coertas. Non, il y a les zones là avec Castrou, Meridianou, mes couilles là. Ouais, Mordona, c'est ça. J'ai peut-être des quêtes qui m'attendent là-bas, bien vu. Yes. Ça va bien avoir les quêtes secondaires correctes. Hein. Alors. Ah ouais, mais elles sont. Voilà. Ouais, mais elles sont 50-50. Donc non. Idéalement, ouais, ça, il me faudrait des... Attends, on va aller là. Il faudrait des 40 plus, quoi. Tu peux faire quelques mandats à Mordona. Ah, ouais, mais ils vont être 50. Pareil, non? Attends. J'aurais même pas les mandats. C'est où les mandats? Donjon. Mandat de grande compagnie. Attends, on peut aller faire ce truc-là, là-bas, on va aller voir. Va mourir avec ton donjon, toi. Va bouffer du marble. Ah tiens, c'est parti, PVP. PVP! Incroyable, putain, j'ai fait du PVP, quoi. Mandant de grande compagnie. Hein. 72 joueurs! Sans déconner, il y a 72 joueurs qui font du PVP sur le jeu. Incroyable. Alors, qu'est-ce qu'il file, lui? C'est le front. Tu crois que je n'ai la foutre... J'ai pas la moindre foutue idée de ce que c'est, hein. Je te le dis. 24, c'est le trifaction. Mandat. Merde. Bah écoutez, on va découvrir. Hein. Je n'ai pas la moindre fichue idée de ce que c'est. Hein. Ah, par contre, c'est normalisé. Hein. C'est déjà très bien ça. PVP, j'ai juste test les non classés, j'ai pas lancé ce que je viens de lancer. J'ai des sorts PVP, ouais. Oh là là. Attends, ça là. Oh là 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 là. Ça, c'est très bien ça. Vas-y, on va mettre ça là pour l'instant. On va mettre ici en vrai. Voilà. Faut que tu envoies les touches. Comment ça, utilisation impossible avec la classe actuelle? Et toi? Bah mes sorts, pourquoi je peux pas? C'est-à-dire, ils sont où mes sorts? À l'assaut. Mais non! La monture, mes sorts! What? C'est déjà prêt la bouffe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai pas de sort? Merci beaucoup. Je peux aller même ça en PVP et en PVE. Oui. Et où est-ce que je les trouve, mes putains de sorts? La musique est stylée. Combo. Sérieusement, je peux en mettre mes sorts. Mais quel enfer. C'est le bordel. Bordel fluide, ceci dit. Alors, on voit pas les pseudos, on voit que c'est un samouraï. C'est un peu chaud, le garçon. Mais d'accord, ok, c'est pas loin. C'est un peu l'enfer. J'ai une attaque, les gars. Franchement, ça suffit une attaque, non? En soi, est-ce que c'est pas suffisant une attaque? Et où déjà tout le PVP là? Au secours. C'était comment déjà, attendez. Mais alors comment diable pouvais-je savoir que c'était pas les mêmes sorts sans déconner? Aïe. C'est moi la tête. Je suis sous les culs là.
je suis moi là. Ouais. J'ai fait le tour à chaque fois que je pars en roulette avec un nouveau cob. Job. Merde, c'était au secours. Comment on quitte cette merde? Je veux fuir. À l'entre des loups, je sais même pas ce que c'est moi l'entre des loups. Ouais. Non, mais il y avait la touche tout à l'heure là pour le. Ah, c'est là, profil. Terre salée, c'est pour Nat ça. Je mets au pif hein. Ok, on va aller voir ça. Y'a pas de monture par contre? Attends, les profils JCJ. Job, front, Christian Connect, expression. Non, non, ça va être une autre barre. En porteur d'ombre, 12 000. Je peux jamais le faire en fait. Et je dois taper qui en fait? Faut que je tape les bleus, non? Je dois taper qui? Je dois taper les bleus? Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Hop. Ok, donc avec ça on se heal. Grand Dieu, c'est faux. Au secours. Ouais. Il fait une attaque fine. Ok, ça c'est un tourbillol, d'accord. Une barrière sur vous, ça s'en était bien tout à l'heure. C'est un peu bordélique le front, tu trouves? Et comment les gens ils font pour avoir leur monture, bordel? Attends, ordre. Ah, monture aléatoire, ok. Yes, j'ai une monture aussi maintenant. Putain, j'ai le gros chocobo. Je sais même pas alliancer, je sais même pas quelle faction je représente. Je crois que je dois être les deux vipères. Baisse monture, ça va impressionner les autres joueurs. Je sais pas où je dois aller, je sais pas ce que je dois faire. Bon, c'est pas le fun le front. Hein. Un petit tuto pour le coup, l'aurait pas fait de mal. Hein. Un petit tuto, les gars. Bon, vas-y, comment je la souille elle? Donc ça, ok. Voilà. Pourquoi il prend rien depuis tout à l'heure, Jean-Jacques, là? What? Pardon? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ok, d'accord, le combo il change tout seul. Tu peux mourir s'il te plaît? Oh, ce donné obtenu. Ah, je viens de voir. Alors, ok. Le truc, c'est que je sais pas chez qui je suis moi. Je dois être là-dedans. On est dernier. Oui, bon, ça me surprend pas. Clairement, c'est pas une surprise. Alors. Où est-ce qu'on va aller? Bon, je vous avoue, hein, c'est pas pour moi le PVP. Hein. Là, j'arrive pas à quitter, donc on va faire ce jeu jusqu'au bout. Mais clairement, c'est pas moi.
Ah mais c'est pas des gentils les bleus. Ah c'est des méchants. Ah bah techniquement pour les ennemis c'est dynamique de me latter la gueule hein. On peut pas quitter, on est d'accord hein, ce truc tant U. C'est quitté. Ça m'a épuisé. Bon en vrai écoutez, je vais aller manger tranquillou dans mon coin. Je vais aller manger tranquillou dans mon coin le chat. Je vais aller raid quelqu'un. Déjà je vais vous remercier. Merde. Fuck. Bon on va rester comme ça. Je vous remercie le chat pour cette belle journée de live. Dernier jour donc de janvier. Février va être un énorme mois. On va en profiter. Je vais aller raid. Ah bah tiens pour la soutenir. Parce qu'elle est fou d'ailleurs. Je vais aller raid. Tiens, on va changer un peu. Je vais aller raid Tamarouche qui est sur Rocket League. Que j'avais affronté au Poche Clash qui était fort sympathique. Très belle soirée à tous, merci. On se retrouve donc demain pour un gros live où on finit Diablo 1 et on passe niveau 50 quoi qu'il arrive avec le donjon gain de niveau sur FF14. Je rappelle, de jeudi à dimanche inclus, ça sera Diablo 2 Resurrected en compagnie de Azelos, Natamaniac et Pookie. Très belle soirée à tous et à bientôt.